Bon, ça c'est assez phénomène. He calls all evil forces to depart. La possession, le diable. Sur ce document d'archives, un prêtre en Grande-Bretagne essaye d'expulser le démon du corps d'un fidèle. La possession passionne autant les neurophysiologistes que les théologiens et les psychiatres. Elle ramène au grand fantasme primitif de l'humanité. Satan existe, est-ce que vous l'avez rencontré? Ses traces, du moins. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, comme je vous ai rencontré vous, mais Satan, quand il a passé, il laisse toujours des traces de son passage. Et les traces les plus évidentes, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est la haine, c'est la division, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est le mensonge, c'est même l'idolâtrie, n'est-ce pas, qui est le refus de Dieu pour l'idole. Mais je veux peut-être parler d'un cas plus précis et assez spectaculaire d'ailleurs, c'est le cas de la possession. C'est un cas très rare, la possession diabolique, donc c'est Satan qui physiquement prend possession d'une personne, se substitue à cette personne. Et ce n'est plus la personne en question qui parle ou agit, mais c'est Satan qui agit et qui parle à travers elle. De qui s'agissait-il ? Ben, il s'agit d'une jeune personne, elle avait à l'époque 19 ans, ça fait 5 ans maintenant à peu près, et chaque soir, à 11h, elle était investie par cet démon qui parlait, qui s'exprimait. C'était plus la personne qui parlait, c'était d'autres voix, n'est-ce pas? Il y en avait 6 qui parlaient et un qui était, il ne voulait pas parler, c'était le chef, paraît-il. Alors là, moi, j'ai voulu quand même avoir des preuves médicales, n'est-ce pas? Et les médecins qui ont examiné ce cas n'y ont rien compris. Et c'est un psychiatre de réputation qui finalement a dit ça. C'est un cas de possession diabolique. Le contact avec elle était absolument normal. Elle n'était pas gênée. Elle avait une mimique absolument normale, bien agitée, pas comme une schizophrène qui en est très, très serrée. Elle n'a rien montré de schizophrène. Je peux dire que ce diagnostic peut être absolument écarté. Mais d'autre part, elle n'avait rien d'une hystérique non plus. C'est pas, les hystériques montrent en général pas une grande acceptabilité. Ils sont inacceptables. Ils sont pris par leur moi. Et cette personne se comportait absolument d'une façon normale et logique. Elle est intelligente, une intelligence normale. Donc, elle échappait à un diagnostic purement médical. Elle échappait à un diagnostic purement médical. La possession commençait à 11h, précise. Vous pouviez retirer les horloges, les montres, ça commençait à 11h. Et ça durait une partie de la nuit, de 2h à 3h jusqu'à 4h même. Et alors, bien sûr, quand ça commençait, il fallait pratiquer l'exorcisme. Alors, la personne en question entrait en transe, littéralement. Il fallait 5 personnes robustes pour la maintenir, et elle écumait. Et alors, chaque fois que vous prononciez le nom de Dieu ou de la Vierge ou des saints, elle blasphémait, elle jetait des blasphèmes, n'est-ce pas, elle crachait. Et puis, on voyait de temps en temps son visage qui changeait d'aspect, ça devenait une autre personne, un visage à la peau brune, aux yeux en amande. Il y avait de temps en temps des griffes qui apparaissaient sur les bras, des traces rouges, très fort, sur les jambes aussi, ça durait 10 minutes, un quart d'heure. Alors il y avait surtout ces démons qui s'exprimaient, il y en avait 6 qui parlaient. Et je leur ai demandé leur nom, ils n'ont pas voulu me le dire.
Pourquoi, je demande, il m'a dit, si tu sais notre nom, tu peux nous chasser, tu peux nous nuire. Alors, ils avaient un numéro, tout simplement. Et chacun avait une personne bien, disons, différente de l'autre. Il y avait encore comme signe les doigts qui, à la fin de la possession, surtout, se retournaient comme les doigts d'une patte d'oiseau, voyez-vous, qui est mort. On tire sur le nerf et ça revient tout en arrière. Alors, ce qui était aussi assez impressionnant, c'est que cette personne connaissait des choses cachées. Par exemple, elle savait toujours l'heure qu'il était, sans montre. Et ces démons disaient, nous partirons, disons, à 3h15. À 3h15, ils partaient. Nous allons revenir mardi prochain, à telle heure, ils arrivaient. Nous allons, l'été, ils partaient en général 6 semaines. Nous quitterons pendant 6 semaines et nous reviendrons, disons, le 8 août, à telle heure, ils étaient là. Et puis, il y avait connaissance de choses cachées, aussi des jugements assez curieux sur des personnes. Des jugements de valeur, voyez-vous, si une personne était une personne bien ou alors, au contraire, une personne perverse. Il y avait des jugements assez étonnants, je dois dire. Ça, c'était assez spectaculaire. Et une fois ces démons disparus, la jeune personne redevenait normale alors... Tout à fait. Tout à fait. Elle était quand même assez, disons, éprouvée. Mais physiquement, il n'y paraissait rien. Et puis, elle se souvenait de tout ce qu'il y avait eu, ce qui s'était dit, etc. Puis vraiment, c'était une grosse épreuve pour cette famille et pour cette personne. Just be quiet now. In the name of Jesus. All right. Quiet. En Grande-Bretagne encore, un prêtre exorcise une jeune fille de 21 ans, Denise. All right. If you can't stand it, I'll minister to you now. I can't stand it. All right. I'm going to cast out this lying spirit. All right. You lying spirit. You lying spirit. You're going to go in the name of Jesus. I'm going to cast you from her life now. No! You honor the name of Jesus. No! I come against you under the power of the Lord. He's dead. He's not dead. He's alive. He's alive. He's alive. He's dead. Jesus is alive. He's and he's going to go from your life. And he's going to go now. Hallelujah. You evil spirit. La possession comme le chamanisme est un mode d'approche du sacré par les moyens des techniques corporelles, parfois violentes, qui peuvent déboucher sur l'extase. Ces techniques font appel à une curieuse faculté de l'esprit humain qui est celui du changement de personnalité, du dédoublement de la personnalité. Alors, on peut dire que quelqu'un est en état de possession quand il se manifeste avec une personnalité qui ne lui appartient pas du tout dans une époque antécédente. Expliquez-moi alors le phénomène d'un point de vue, disons, presque physiologique. Au point de vue physiologique, on note cette série étrange de phénomènes. Un être parle avec une voix qui n'est pas la sienne, a des mouvements musculaires qui sont plus forts que ceux qu'il a habituellement, il bouge, il est insensible à la douleur, il est insensible à la saignée. Donc, il présente toute une série de manifestations corporelles complètement différentes de celles qui sont de la condition normale. Est-ce que c'est, selon vous, un phénomène surnaturel? Je m'adresse aux professeurs, aux scientifiques. Non, absolument pas. Moi, je suis physiologiste, vous avez raison de me poser la question comme ça. Ce n'est pas du tout un phénomène surnaturel. C'est l'apparition de phénomènes physiologiques qui appartiennent à une autre sphère de la personnalité. Mais alors, pourquoi, précisément, ce phénomène fait dire à tout le monde, c'est surnaturel, c'est magique, c'est de la sorcellerie, c'est extraordinaire? Parce qu'en effet, comme je vous disais tout à l'heure, le dédoublement de la personnalité en soi est magique. S'il y a quelque chose qui paraît constant chez l'être humain, c'est la permanence d'une structure qui est celle de notre personnalité. Si à l'improviste, nous nous conduisons, nous parlons, nous gesticulons, notre voix change, etc., il y a là évidemment quelque chose de sacré, d'improviste, qui suscite l'impression du surnaturel. Or, il n'est pas du tout un fait surnaturel. Comment expliquez-vous que la voix change, par exemple? La voix change parce qu'il y a probablement une intensité d'afflux nerveux sur les cordes vocales qui fait que la voix devient plus aiguë ou plus basse, de telle sorte qu'on peut penser à un autre être qui parle par notre bouche. Y a-t-il encore dans nos contrées dites civilisées des cas de possession connus? Écoutez, il y en a certainement au sud de l'Italie, à Tarente,
par ces formes qui sont des formes de tarantisme qui ont été étudiées par un de nos meilleurs psychosociologues, De Martino, qui a étudié ça à fond. Ce sont des phénomènes de tarantisme, c'est-à-dire des êtres commencent à s'agiter, à parler, à danser d'une manière complètement différente. On attribuait ça, au point de vue traditionnel, à la morsure d'une araignée, la tarente, et ces manifestations sont des manifestations absolument scientifiques de possession. Même un être très civilisé, occidental, moderne, peut être saisi par la possession. Absolument, il y a tout le temps ce cas-là. Écoutez, maintenant je ne voudrais pas vous dire quelque chose qui paraît paradoxal. Des grands rituels de possession sont parfois les défilés politiques, ou le martèlement du même slogan, ou le trépignement des pieds, ou le hurlement rythmique dit de la même façon, correspondent à des grands rituels de possession. L'emploi des couleurs, l'emploi des couleurs des mouchoirs colorés, etc. Tout ça répond très souvent à un rituel de possession. Un match de football, c'est souvent, à beaucoup de points de vue, un état de possession qui crée chez les spectateurs un état second de comportement qui n'a rien à faire avec le comportement lucide, rationnel. Donc, il y a, si et là, au sein de la civilisation occidentale, des îlots de possession que nous avons domestiqués, auxquels nous donnons des noms tout à fait inoffensifs et sécurisants, mais qui correspondent à des états de possession et comme tels devraient être analysés. Pourquoi vous, vous êtes intéressé à la possession? Écoutez, moi, je me suis toujours occupé de physiologie du système nerveux. Je m'occupe d'images. Et je crois que l'étude de la possession à notre époque peut donner des résultats extraordinaires. Parce que la possession en soi-même est à la source de trois phénomènes extrêmement importants. La naissance du théâtre. Finalement, le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est un acteur qui change de personnalité et une autre personne. Nous sommes là-devant, nous nous émouvons, nous pleurons, tout en connaissant parfaitement l'état civil de l'acteur, en sachant qu'il ne mourra pas, etc. Voilà une première source de possession. Le théâtre est une des formes de possession, surtout à ses origines dionysiaques. La deuxième, c'est la psychothérapie. Nous savons très bien que c'est justement grâce au changement de personnalité que Freud a pu faire ses découvertes de psychanalyse. Et donc, l'étude de la possession nous illustre beaucoup sur la démarche de la psychanalyse. Et en troisième lieu, la naissance des religions. Vous savez que dans beaucoup de religions primitives, surtout les religions animistes, il est fondamental d'étudier la notion de changement de personnalité ou bien de la descente d'un esprit divin sur un corps qui est un corps humain. Donc voilà trois raisons, l'étude d'histoire des religions, l'étude de la psychothérapie et l'étude des origines du théâtre qui peuvent pousser à l'analyse de la possession comme à un des phénomènes capitaux de l'histoire des civilisations humaines.